feeling better alone. But when you said hello, I knew there was the end. Hi guys, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, alhamdulillah. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo make-up où on va tester la Gingerbread Spice mini palette de chez Too Faced. Elle est trop mignonne la palette, elle est trop chou, iiii, toute petite, iiii. Ah, je craque. Donc voilà, on va tester cette petite palette ensemble. On va faire le make-up que j'ai sur moi tout de suite. Donc voilà, si vous voulez voir celle-là dans le ventre, continuez à regarder, je vous en prie. Si vous êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge s'abonner en dessous de la vidéo et vous rejoignez la famille Moondreamer. N'hésitez pas à vous abonner. Qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous. Et nous on passe à la vidéo, c'est parti, let's go. Le packaging de la palette est vraiment trop mignon. C'est en forme de pain d'épices. C'est trop beau. C'est en métal. Il y a écrit Gingerbread Spice Too Faced. Derrière, on a les noms des fards. Parce qu'ils sont pas dans la palette en bas. Dans la palette, ils y sont pas, ils sont derrière. Avec un petit bonhomme de pain d'épices. Et à l'intérieur, elle est trop trop belle cette palette. On a le miroir là. Et là, on a la palette avec le bord doré, les rebords dorés. Et les fards. Ça m'attire trop trop l'œil, ces couleurs comme ça. Elles sont bien agencées en plus, les couleurs. Donc, là, je vous ai fait les swatchs. Voilà les swatchs. Bah écoutez, on peut commencer le make-up, je pense. La palette elle coûte 26€. On va commencer le make-up. Donc, c'est parti. Pour commencer, je vais prendre ce rose. Et je vais le mettre en creux de paupière. Le rose il s'appelle Hot Toddy. Je le mets en creux de paupière. Les fards sont bien pigmentés. Ils sont très bien pigmentés même. Je vais l'estomper le creux de paupière avec le seul fard brun de la palette qui s'appelle Gingerbread Latte. Ce brun là, Gingerbread Latte. Je vais estomper le creux de paupière avec le brun. Le brun, il est poudreux. C'est le seul fard poudreux de la palette. Je prends le fard Hot Toddy qui est un... Selon les angles dont on se place, il est soit orange, soit rose. Satiné, comme ça. Comme ça, vous le voyez rose. Et comme ça, vous le voyez orange, ce fard-là. Il est vraiment trop trop beau, ce fard. Donc je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Je vais le prendre avec le doigt. C'est plus simple. Voilà. Maintenant, je vais prendre le fard orange qui s'appelle Spice and Nice. Ce orange-là. Je vais le prendre pour le ratio inférieur. Voilà ce que ça donne, c'est joli. Je vais faire un zoom. Approchez-vous un peu. Allez, approchez-vous, soyez pas timide. Pour le coin interne, je prends le Warm and Toasty. Ce beau doré là, celui-là. Je prends avec un pinceau plat et je le mets dans le coin interne. J'ai oublié de vous dire aussi. La palette elle sent bon, elle sent le pain d'épices. Ça sent super bon. Quand on travaille les fards, quand on les rapproche un peu du visage, du nez notamment, on a l'odeur des fards qui sort de la palette, c'est super bien. Super agréable. Je vais mettre un peu de doré sous l'arcade sourcilière.
merci, là je remets tout de suite. Tadam ! Magique ! Du coup voilà, j'ai fini le make-up des yeux, j'ai tout fini, tout le make-up en fait, hein. J'ai complètement fini le make-up, j'ai enlevé le zoom. Bon bah voilà, qu'est-ce que je pense de la palette Gingerbread Spice ? Elle est super jolie, les couleurs sont très belles, elles sont bien pigmentées les fards. Les fards ils sont pas du tout poudreux sauf le marron, celui-là. Ce marron là, il est poudreux. Mais sinon les fards des autres ils ne le sont pas du tout. C'est une belle palette pour l'automne. Même pour le reste de l'année, c'est une belle palette. Regardez ces belles couleurs. C'est une belle palette pour l'automne, même pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été aussi. C'est une bonne palette. Elle est super belle. Le packaging me fait vraiment craquer. Et les fards, ils sentent trop trop bon. Ça sent super bon. Donc voilà, elle coûte 26€. Et elle est en vente chez Sephora depuis un mois, à peu près. Voilà, voilà, bah, j'ai tout dit, mes chouchous d'amour. Voilà le make-up. Bon, voilà, mes chouchous d'amour, on a fini la vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît, ça me fera super plaisir. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.